J'apprends avec maîtresse Amayette. Et coucou, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu te souviens de la vidéo sur les mots trésors et sur les mots cailloux? Tu ne l'as pas vue encore? Alors si tu ne l'as pas vue, tu peux faire pause à cette vidéo et demander à ton papa ou ta maman de te la montrer. Et puis si tu l'as déjà vue, on va essayer de s'en souvenir ensemble. Tu te souviens? Un mot trésor, c'est un mot, c'est une phrase qui permet de se sentir bien. Comme par exemple, je t'aime, j'adore être avec toi, j'adore m'amuser avec toi. C'est tellement amusant de passer du temps avec toi. Waouh, ton idée est fabuleuse! Ces mots-là permettent de réveiller la joie et l'amour à l'intérieur de nous. Et puis, on a aussi des mots cailloux. Alors ceux-là, ils réveillent plutôt la tristesse, la frustration ou même la colère à l'intérieur de nous. Ce sont des mots comme « je te déteste » ou comme « t'es vraiment nul » ou encore « t'es plus mon copain, t'es plus ma copine ». Ce sont des mots qui peuvent faire mal au cœur. Et tu sais quoi? Pour t'aider à mieux comprendre ce que font les mots cailloux à l'intérieur de ton corps ou à l'intérieur du corps de tes copains, de tes copines, de ta famille, je vais te montrer Martin, l'homme papier. C'est un petit bonhomme que j'ai dessiné et que j'ai découpé et je vais te montrer quelque chose dessus qui va t'aider à mieux comprendre ce que font les mots cailloux à l'intérieur de nous. Je vais aller attraper Martin et je te retrouve tout de suite. Et je te présente Martin, l'homme papier. Martin, notre homme papier, va écouter, va entendre des mots cailloux, des mots qu'on va lui dire. Ce sont peut-être des mots qu'on a entendus, que tu as entendu toi-même ou que j'ai entendu parfois. Et on va voir ce que ça va lui faire. Par exemple, Martin, tu es vraiment trop nul. Alors Martin, l'homme papier, commence à avoir le papier qui se froisse. Martin, t'es vraiment pas drôle comme copain. Martin, l'homme papier, continue à se froisser. Il ressent de la tristesse, il se sent rejeté. Et si dans la même journée, Martin, l'homme papier, continue à recevoir des mots cailloux, comme « Martin, tu n'y arriveras jamais !» Alors il continue à se froisser. Sa tristesse et sa colère montent à l'intérieur de lui. « Martin, je ne veux plus jouer avec toi !» Martin, l'homme papier, commence à former une boule. Il commence à complètement se refermer sur lui. Parce que sa tristesse ou sa colère sont trop grandes et le poussent à se refermer, à se froisser. S'il reçoit d'autres mots cailloux comme « Martin, tu n'y arriveras jamais à ce travail, tu ne sais même pas calculer de toute façon. » Martin, l'homme papier, continue à se froisser. Il peut encore recevoir un autre mot cailloux comme « Je veux plus jamais être à côté de toi, tu sens pas bon. » Martin, l'homme papier, est maintenant tout en boule. Il se fait tout petit. Martin, l'homme papier, ne se sent pas bien, il a reçu trop de mots cailloux. Pour l'aider à se déplier, on va lui présenter des excuses. Mais attention, pas des excuses dites n'importe comment, des excuses qui viennent du cœur. Parce qu'on voit que Martin, l'homme caillou, est tellement triste qu'il est tout froissé, qu'il est tout roulé en boule. Alors, on va lui dire par exemple, « Je suis désolée de t'avoir dit que tu étais nul. Ce n'est pas vrai ?» Martin, l'homme papier, commence à se déplier. « Tu peux tout réussir, Martin, comme tout le monde. » Martin, l'homme papier, continue à se déplier. On peut même lui dire des mots trésors, des mots qui réchauffent le cœur. Comme « Martin, je suis désolée de t'avoir dit que je ne voulais plus être ton copain. Tu sais, tu es un copain vraiment amusant. J'aime jouer avec toi. »
Martin, le papier continue à se déplier. Martin, je suis désolée de t'avoir dit que tu sentais mauvais. J'étais juste très en colère, mais je ne le pensais pas. Martin, le papier continue à se défroisser. Martin, tu sais, si tu as besoin d'aide, tu peux demander, mais tu peux tout réussir. Tu sais, tu es aimé par beaucoup de monde, Martin. Ta famille t'aime et tes copains t'aiment. Je suis désolée de m'être énervée contre toi. Martin, l'homme papier, se déplie, se défroisse. Il se sent mieux à présent. Sa tristesse est peut-être redescendue et peut-être qu'il se sent aimé. Mais tu vois, il a reçu tellement de mots cailloux que cela laisse des petites traces. Des petites pliures, tu vois. Cela va prendre du temps pour l'aider à se défroisser complètement, pour apaiser les petites tristesses et les grosses tristesses qu'il a ressenties. Cela va fonctionner, mais ça va prendre du temps. Il aura besoin de beaucoup d'amour, de mots trésors, d'excuses. Il aura besoin de se rapprocher des gens qu'il aime pour se déplier complètement. Il est important de faire attention à ce que l'on dit parce que des mots trésors peuvent aider à se défroisser, à se sentir bien, et des mots cailloux peuvent froisser quelqu'un et faire en sorte qu'il se replie sur lui. Tout comme nous, on peut aussi se replier sur nous-mêmes si on nous dit des mots cailloux. C'est important de prendre soin des mots que l'on dit. Tout comme Martin l'homme papier, il t'est peut-être déjà arrivé à toi aussi d'entendre ces mots cailloux qui t'ont froissé et qui t'ont donné envie de te replier sur toi, peut-être même de partir loin. À moi, ça m'est déjà arrivé, bien sûr, d'entendre des mots cailloux. Et puis, ça t'est peut-être déjà arrivé d'en dire. À moi aussi, ça a pu m'arriver. Parce que parfois, on se met en colère. Parfois, on ressent tellement de colère qu'on n'arrive pas à se contrôler. Alors, on dit ces mots cailloux. Maintenant, on comprend ce que ça fait chez l'autre. Et il est important de s'excuser. Il est important de demander pardon. Parce qu'on comprend maintenant, parce que tu comprends maintenant que ça froisse et que ça donne envie à l'autre de se replier sur lui-même. Mais maintenant, quand on entend des mots cailloux, il existe aussi des manières de se protéger. C'est-à-dire qu'on peut empêcher ces mots d'entrer dans notre cœur pour ne pas qu'ils pèsent lourd dans notre cœur. Tu voudrais que je te montre ? Tu voudrais que je te montre comment te protéger de certains mots cailloux ? Oui ? Allez, c'est parti ! Je vais t'emmener dans une nouvelle vidéo et je vais te montrer cette technique. À tout de suite ! Connais-tu tes émotions ? Et sais-tu pourquoi on ressent des émotions ? Non ? Alors viens découvrir tout ça, je t'invite dans mon monde fantastique à la découverte de 14 lutins des émotions. Et tu vas voir, dans ce monde fabuleux, on y fait même de la magie. Retrouve-moi sur aide-moi-à-grandir.tv avec tes parents pour découvrir tous les détails de ce programme.